Pour réussir tes morceaux, il y a plusieurs compétences à maîtriser, et parmi ces compétences, il y a le sound design. Donc ça consiste à créer et à modeler tes sons exactement comme tu veux, sur mesure par rapport à ton style et par rapport à ta compo. Donc c'est une des choses qui va permettre de marquer, si tu veux, ta signature musicale unique. Et au sujet du sound design, j'ai trois questions à te poser pour lesquelles je t'invite à réfléchir et peut-être à envisager une meilleure façon de procéder pour réussir tes compos. La première question que je vais te poser sur le sound design, c'est si tu ne fais qu'utiliser des samples qui ont été créés par d'autres personnes, même si c'est des samples de qualité qui viennent de packs de samples professionnels par exemple, à quoi vont ressembler tes morceaux ? D'accord ? Donc si tu ne mets pas ta touche, en fait, ta propre patte si tu veux sur le sound design et que tu n'utilises que comme ça des sons que d'autres artistes peuvent utiliser, en particulier si les packs de samples sont connus, s'ils sont de bonne qualité, ça veut dire que d'autres artistes vont aussi les utiliser, à quoi vont ressembler tes morceaux ? Est-ce qu'ils vont vraiment être uniques ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si tu utilises des samples, et là je pense en particulier à des samples de kick, parce que pour beaucoup de styles musicaux, comme la techno, que ce soit le hardcore, même pour la trance, pour la hardtech, pour pas mal de styles, le kick c'est un élément absolument fondamental, hein, ça tu le sais, et le fait d'avoir des kicks qui sont différents, qui sont uniques, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence chez les producteurs professionnels. Maintenant, si tu utilises un kick, même s'il est super ce kick, mais qui vient d'une banque qui est utilisée aussi par d'autres artistes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si d'autres artistes, ou même si des gens qui ne sont pas forcément des compositeurs ou des DJ, si ces gens, en fait, reconnaissent que le kick que tu as utilisé pour ton morceau, c'est le kick typique, si tu veux, d'un artiste qui peut être connu. Un artiste qui peut être connu justement parce qu'il a créé lui-même ses propres kicks, ses kicks qui sont uniques. Si toi tu reprends en fait sa patte musicale à lui pour tes morceaux, qu'est-ce que les gens vont penser en fait s'ils grillent que tu as repris le kick de quelqu'un qui est connu ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être un petit peu embêtant, ça peut être mal vu dans certains cas. Même si ton morceau il est super, ton kick, vu que les gens vont reconnaître que c'est pas le tien, eh bien, ça risque peut-être de te décrédibiliser. En tout cas, je t'invite à réfléchir à cet aspect-là, hein, qui peut être vraiment problématique. Et la troisième question que j'ai à te partager par rapport au sound design, c'est si tu ne fais pas de sound design, si tu ne t'y mets pas maintenant, en fait, pour maîtriser ces compétences, est-ce que tu seras vraiment fier de tes morceaux ? Est-ce que tu seras vraiment accompli, vraiment satisfait d'avoir composé des morceaux uniquement en assemblant des sons comme ça, même si c'est des sons de qualité, mais juste si tu les assembles un petit peu comme un patchwork, genre tu vas prendre différents sons comme ça et juste les assembler pour composer ton morceau, est-ce que tu seras vraiment fier de toi ? Est-ce que tu seras vraiment satisfait de ton œuvre, en fait, de ta compo, même si ça sonne bien ? Voilà, je t'invite à réfléchir sur ces questions. Le sound design, je sais que ça bloque pas mal de gens qui sont débutants en particulier. Le sound design, c'est une compétence qui est assez complexe, surtout quand on est un petit peu tout seul et qu'on est un petit peu perdu. Alors, je sais que plein de gens vont regarder des tutos sur YouTube, etc. Et on peut apprendre comme ça pas mal de petites techniques. Mais le problème, c'est que quand tu es tout seul, en fait, quand tu n'es pas accompagné pour te montrer quelle technique de sound design apprendre, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, dans un ordre vraiment optimal, c'est inconfortable, évidemment, c'est décourageant pour pas mal de gens. Ça peut être complexe. Est-ce que tu vas commencer par maîtriser les enveloppes ? Est-ce que tu vas t'intéresser au layering, à l'editing, le sampling, mélanger ces différentes techniques ? Il y a toute l'exploration et l'apprentissage à faire au niveau des différents types de synthèse sonore. Donc, tu as la synthèse additive, soustractive, etc. Pour créer tel type de son, comment choisir la bonne technique, comment peaufiner tout ça en détail ? Bah ça, le problème, c'est que si tu veux apprendre ça tout seul, ça peut le faire. Hein, si tu veux y passer des années, tu peux. Et au bout d'un moment, tu finiras peut-être par y arriver. Si tu lâches pas l'affaire entre-temps, hein, faut être persévérant. Le truc, c'est que si tu ne le fais pas, si tu ne t'y mets pas, eh bien, je t'invite à repenser à ces trois questions qu'on a vues. Et est-ce que tu seras vraiment fier de tes compos ? Est-ce que tu auras vraiment ton style unique à toi ? C'est ce à quoi je t'invite à réfléchir.
J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par email 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.